Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous entre apiculteurs. Aujourd'hui, je vous emmène au Marais Poitevin et on va à la rencontre de Gilles, un apiculteur de père en fils qui vit sa passion au bord des canaux. Bonjour Gilles. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous ici dans le Marais Poitevin. Ouais. Donc on est là au bord des canaux avec en arrière-plan quelques-unes de vos ruches. D'où vous vient cette passion de l'apiculture? Cette passion, je la détiens de mon père hein, qui a toujours fait ça et puis de quelques amis. Et qui a toujours fait ça, il a commencé pendant la guerre. Et il avait commencé parce qu'il y avait un manque de sucre, il y avait une pénurie de sucre. Donc il a fait ça pour avoir du sucre. Ouais. Et puis il a toujours toujours eu des abeilles, un peu bricolé, c'était plus du bricolage un peu. Hein. Mais bon, ça a commencé, il n'avait pas vraiment des ruches, on appelait ça des bournées, c'était des caisses en bois. Ouais. Et avec de la cire, hein, l'abeille faisait sa cire. Donc en fait, il pressait ses rayons de cire pour pouvoir extraire le miel directement. Voilà. Il n'y avait rien de mécanique. Il n'y avait rien de mécanique. Hein. Hein. Bon, il n'avait pas beaucoup de ruches. Hein. Il avait 4-5 ruches qui se situaient sur le bord du jardin, hein, devant la maison. Moi, je me rappelle d'avoir vu les ruches étant gamin, hein, toujours là-bas. Et à l'époque, ça, c'est quelque chose qui était courant pour avoir du sucre, de se mettre à l'apiculture, ou c'était véritablement son idée à lui? Non, je pense que c'était son idée. Hein. D'accord. C'était son idée à lui. Hein. D'accord. Ouais. Et le marais, à l'époque, était vraiment différent de ce qu'il est aujourd'hui? Ah, tout à fait. Hein. Tout à fait différent, oui. C'était plus boisé. Voilà. Il y avait plus boisé, et puis les cultures, il n'y avait pas de labour. Ouais. C'était que de la prairie. Et puis c'est des trucs naturels. Hein. Naturel. Donc qui dit prairie dit forcément beaucoup plus de fleurs. Beaucoup plus de fleurs qu'on a aujourd'hui. Oui, beaucoup plus de fleurs. Mais les plus de fleurs qu'aujourd'hui, oui. Beaucoup, parce qu'il y avait les bois, il y avait dans les bois, il y avait des fleurs. Hein, dans les fossés, dans les cours d'eau, où il y avait les cours d'eau, quand il n'y avait plus d'eau, il y avait des fleurs qui venaient. Hein, comme le liseron, puis d'autres, hein, je ne peux pas trop citer. Hein. C'est vrai que le liseron, même moi, enfant, je me souviens quand même que le liseron était assez présent dans la partie où moi je vivais. Et aujourd'hui, on ne voit plus rien. On voit plus rien. Et d'ailleurs, quand on regarde la couleur des cours d'eau, je suppose qu'entre ce que vous l'avez connu et ce qu'elle est aujourd'hui, il y a une vraie différence aussi. Ouais. Il y a une différence parce que les cours d'eau, comme le cours d'eau qu'il y a là, à la saison où on est, c'était de l'herbe, nous on appelait ça des rappels. Des rappels, des cuillères, des langues de bœuf. C'était couvert. On arrivait difficilement à passer le bateau. D'accord. Ouais, difficilement. Parce que le moyen, en tout cas, de locomotion ici, c'était le canal. Hein. La barque. C'était uniquement la barque. Hein. On est en zone inondable ici. C'est en zone inondable. Hein. D'accord. Le marais, nous, on est dans la partie marais mouillé. D'accord. Si on passe de l'autre côté, la digue, le canal des Hollandais. La digue, c'est le desséché de l'autre côté. D'accord. Donc cette partie a été faite c'est à peu près dans les années 1610 hein, ouais. Par l'ingénieur hollandais qui est venu et qui a fait retracer les canaux et tout pour y faire l'irrigation. Donc là, l'eau est restée tout l'hiver, hein, c'était inondé tout l'hiver. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup moins ce problème-là, sauf sur des hivers très pluvieux. Voilà, voilà, c'est tout. Hein. Mais je dis, moi, c'est pas normal que l'eau ne vienne pas sur les terres. En hiver. En hiver. Et quand elle vient sur... Parce que l'eau revenait sur les terres en hiver, mais rapportait quand même un engrais. Oui. Rapportait une richesse pour la plante. Parce que le limon qui se déposait dessus... faisait une nourriture pour la plante. Et alors, toute cette humidité par rapport à vos ruches, est-ce que c'est nocif pour la vie d'une ruche ou pas? Parce qu'on a quand même tendance à s'imaginer que toute cette humidité stagnante peut nuire à l'essaim. C'est ce qu'on dit.
Mais moi, j'ai jamais eu ce problème. Hein. Au niveau des récoltes, vous restez toujours sur quelque chose qui stagne. Ouais, ouais. Alors, quelque chose qui stagne, mais qui, je pense, n'a rien à voir avec ce que vous avez pu connaître, vous et votre père avant vous. Ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Ça n'a rien à voir. D'abord, les saisons de récolte, jamais à cette saison, on récoltait de miel. Au printemps, il n'y avait pas de récolte au printemps. On avait fin juin, fin juillet, fin août. D'accord. C'était les trois dates qu'on réservait pour la récolte du miel. Et alors, c'était quoi comme fleur entre juin, juillet et août? C'était la même chose sur c'était trois mois C'était la même chose. Ou... Hein. C'est la fleur sauvage, hein. C'est la fleur de prairie. Il n'y avait pas de culture, il n'y avait rien. Hein. C'était vraiment la fleur sauvage, la fleur de prairie. Hein. Il y a le trèfle, après le nom des plantes, je ne les citerai pas parce que je ne connais pas leur nom. Mais c'était. Et tout ça à l'époque, sans les grandes cultures qui aujourd'hui peuvent nous apporter, à nous apiculteurs en tout cas, des récoltes un peu plus grosses que s'il n'y avait pas de grandes cultures. Comment ça le... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes cultures apportent du nectar sur une période très courte et abondante. Et abondante. Alors qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de grandes cultures dans le marais pour ces essaims-là. Il n'y avait pas de culture dans le marais. Il n'y avait pas de culture, c'était du naturel, c'était de la prairie naturelle. La prairie naturelle, tout ce qui pouvait y avoir comme plante qui pouvait aller dessus. Même l'aubépine à l'époque, dans le temps, il n'y avait pas d'aubépine. L'aubépine, il est venu depuis que on a modernisé. Parce que à l'époque, dans le temps, les gens, ils fauchaient, ils coupaient l'herbe. Dans le terrain, mais ils allaient jusqu'au fond du fossé couper l'herbe à la faux. Moi, je me rappelle, mon père allait à la faux couper l'herbe dans le fond du fossé pour la récupérer. Il n'y avait pas un brin d'herbe qui restait. D'accord. Tout était récupéré. Donc les épines, tout ce qu'on voit autour des champs actuellement, ça n'y était pas. C'était propre. D'accord. C'était propre. Et alors, le remembrement qu'est-ce que ça a apporté en bien ou en mal à l'époque où ça s'est fait? Il y a eu un moment où ça a rapporté en bien parce que ça a été des regroupements de parcelles. Ça a regroupé des parcelles, bon, c'est sûr. Mais pour moi, ce qui a fait, c'est les labours. Les terrains ont été labourés. Donc ça, après, on a rapporté, on a fait du maïs, on a fait quand même du tournesol. Donc les engrais. Mais les engrais, tout ça. D'abord, il y a eu le problème de l'arrosage dans les champs. Depuis qu'il y a eu le problème d'arrosage dans les champs, on a eu un niveau d'eau qui a déjà été beaucoup moins. Parce qu'il pompe l'eau avant. Qu'elle se redéverse naturellement dans le marais. Naturellement dans le marais. Parce que là, ça va peut-être sortir un peu du sujet. J'ai mon fils qui est né en 77, on prenait l'eau au cours d'eau. Pour la consommer? Pour la consommer, on n'avait pas le service d'eau. D'accord. Le service d'eau, il est venu dans les années 80. D'accord. Et aujourd'hui? On prenait l'eau dans le cours d'eau. Et aujourd'hui, vous seriez prête à recommencer? Non. Oh non, c'est impossible. Et vos abeilles, elles y vont, elles? Bah non. Ouais. Pour moi, ils n'y vont pas. D'accord. Les chiens n'iront pas, je ne les vois jamais boire l'eau, là. Donc il y a quand même un problème de pollution. Ouais. Qui aujourd'hui, en tout cas, empêche d'imaginer une apiculture mais sereine. Mais l'abeille, on va la boire où il y a une bâche, un morceau de bâche, où il y a l'eau de pluie, la rosée de la nuit. Ouais. Elles vont venir boire. Mais au cours d'eau, très très peu. Ah, on le voit bien, hein, de toute façon, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité. Il n'y a plus de végétation, plus d'activité. Ouais. Et alors, on distingue également une limite juste au-dessus de la végétation qui est grise. Et c'est quoi en fait cette limite grise? Il n'y a pas de végétation sur une certaine hauteur. C'est la pollution. D'accord. C'est la pollution. Hein. Donc en fait, si on récapitule bien, les cultures sont arrivées sur le marais. Tous ces engrais et pesticides se sont déversés sur les terres, ravinés par les pluies, ça tombe à l'intérieur des canaux. Voilà. Et là, on a un ensemble qui n'est plus du tout cohérent pour pouvoir faire survivre un écosystème dans le marais. Bah oui. Et les abeilles sont les premières à en subir les conséquences. Hein. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y aurait aujourd'hui comme,
comme solution à tout ça, pour imaginer dans l'avenir qu'un apiculteur comme vous, qui a des ruches dans le marais, puisse avoir des abeilles en pleine santé, puisse avoir des essaims qui produisent? Je ne sais pas, maintenant la pollution est faite, hein, c'est fait déjà, alors donc pour revenir en arrière. Et une chose que moi j'ai remarqué, c'est ces papillons qui reviennent. Les papillons, oui. Moi je trouve que de tous les ans, il y a de plus en plus de papillons. Bah oui, il faut, hein, parce que si on ne voit pas de papillons, on ne voit pas de... les sauterelles, bon ben là on n'en voit encore pas parce que c'est pas encore trop le moment, trop sec, je pense. Ouais. Mais c'est vrai qu'on voit, on voit quelques insectes. Hein, des... Donc on a quand même quelques signes positifs aujourd'hui, oui. qui pourraient amener en tout cas à penser qu'il y a une prise de conscience. Il y a peut-être des produits moins nocifs, je ne dis pas qu'on les utilise moins, mais peut-être des produits moins nocifs utilisés dans l'agriculture, oui, oui. Aujourd'hui. Et on peut quand même s'imaginer que dans les années à venir, la prise de conscience sera plus grande. Sera peut-être plus grande. Les produits encore plus propres. Ouais. Et qui sait, peut-être un jour, on retrouvera le marais que vous avez connu, que votre père a connu avant vous. Il ne faudrait pas que ça s'aggrave. Il faudrait que ça reste. Qu'on arrive déjà à stopper le problème. Qu'on arrive à stopper le problème. Hein. Ouais. Ouais. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais vous avez quand même ici, dans le marais, certains nuisibles en dehors du Varroa. Vous avez le frelon asiatique. Le frelon asiatique. Le frelon asiatique, bon, on en a vu un tout à l'heure. Oui. C'est le premier d'ailleurs que je vois, j'en ai pas vu encore. Tant que Rémi, on a vu déjà, on a eu plusieurs. Moi, les frelons asiatiques, je ne suis pas trop touché par le frelon asiatique. Je pense que le frelon asiatique, il se tient plus où il y a les maisons. D'accord. Parce qu'il a de quoi se nourrir. Là, il n'a rien, à part les abeilles. Quelques insectes, il n'a rien. Donc il serait plus sur la proximité des bourgs, là où il y a des vergers, voilà, avec les fruits, oui, oui, qui, une fois en fermentation, vont, voilà, le nourrir. Oui, oui. D'accord. Tandis que là, non, moi, bon, j'en vois, mais pas beaucoup. D'accord. On n'est pas du tout dans cette moi, optique que le frelon décime les abeilles. Voilà. Il s'attaque plutôt à des ruches faibles, voilà, comme partout, voilà, mais il ne vient pas pour appauvrir une ruche forte. Non. Non, non, parce qu'il doit être trop loin de son lieu. Hein, parce que, bon, il y a 2 ans, il y en avait un qui était, bon, sur le bord du chemin, un peu plus loin, là. Mais bon, c'est pas pour ça que j'ai vu tellement de frelons. Hein. En tout cas, merci Gilles de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci, avec plaisir. Hein, c'était. Et puis, on va continuer à faire le tour des différentes ruches et puis profiter de cet espace encore préservé, en tout cas d'apparence. Et puis on vous dit à très bientôt. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Merde. Quoi? Je vais aller vérifier le cadre. Ah merde, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui se ramenait, moi.